L'axe Brazza-Moravia se porte bien. La preuve supplémentaire de cette relation bilatérale a été donnée ce dimanche après-midi à l'hôtel de la Primature, avec la réception par le Premier ministre de l'ambassadeur Cheikh Al-Mustapha Kouyaté au représentant du président libyen Joseph Boakai. Je suis venu avec un message pour son Excellence le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à part de notre président, le président Jessen Nyima Boakai, son Excellence, pour féliciter son frère pour le 64e indépendant de votre pays. Et deuxièmement, pour le féliciter aussi pour son initiative pour la paix en Afrique, comme il était fait au Libye. Et Libyens aussi, nous sommes rentrés, notre président, il a aussi commencé une initiative pour faire la paix en Libye. Et, mais il ne peut pas faire ça sans venir voir son frère, gagner la permission de son frère avant de bouger. C'est pour cela que je venais aujourd'hui pour remercier son frère, pour dire qu'il ne peut jamais faire quelque chose sans lui. L'Afrique ne peut pas gérer par l'autre personne sans les Africains. Une affaire de l'Afrique, comme Libye, une situation africaine. Les personnes qui ont commencé, le parrain pour la paix, le champion pour la paix en Afrique, aujourd'hui, c'est son Excellence, président Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela que je suis là, pour remettre le message de la paix, le message de fraternité, et le message d'un Africain, la justice pour tous les Africains. Pour le diplomate libérien, cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Congo et le Libéria a permis aux deux interlocuteurs de faire un tour d'horizon des sujets communs aux deux États. Une rencontre marquée par ailleurs par la remise d'un cadeau du président libérien à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso.